some find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. Et coucou les scrapadites, je vous retrouve ce soir pour un petit moment d'art collage, art journal, art collage. Voilà, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Alors, ce que j'ai fait hier, c'est celle-ci, ma petite fée, là. Voilà, j'ai fait celle-ci, cette page. Voilà. Et là, je vais... Alors, j'ai fait des fonds l'autre soir. Voilà. Alors, un soir, je fais une dark collage, une fois, je fais des petits fonds. Voilà, ça dépend... de ma fatigue et de pendre la journée que j'ai eue. Alors je vais choisir celle-ci là, ces couleurs-ci. Bon, ça fait vraiment pastel vers vous, mais moi c'est beaucoup plus fort en couleur. Voilà, donc ben aujourd'hui j'ai une journée bien remplie. C'est bon, j'étais chez mon spécialiste là, j'ai un nouveau traitement. J'espère que ça va aller pour le mieux, déjà. Aujourd'hui, mon Lulu n'avait pas de lycée, donc j'ai été obligée de l'emmener avec moi. Donc, il s'est levé quasiment aussitôt que s'il allait au lycée, donc pas de changement. Voilà, voilà. Donc, alors, j'ai fait des découpes sur un magazine, pas mal de choses... alors je voulais faire une page un peu magique, encore féerique. Alors je sais pas, parce que celle-ci, j'ai cette bonne femme là. Alors est-ce que je l'agrémente en faisant une autre fée, c'est à voir. Ou je voulais faire celle-ci avec cet animal là. Ce cerf. Je sais pas. Je vais peut-être faire cet animal là. Ça m'inspire assez ce soir. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, je voulais le faire parce que, en fait, j'avais pris dans mon petit haul que j'avais fait à Action, j'étais tombée au rayon des kids, des enfants, sur un truc d'Harry Potter, là. Et il y a des formules magiques, dont une qui irait bien avec celui-ci. Et si je retrouve... celle-ci là, en l'occurrence, si j'arrive à... cette formule magique, voilà, qui va avec enfin, le monde à féerie d'Harry Potter, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc j'ai envie de prendre cette formule magique et de mettre ce comment c'est des patronomes là, je sais pas comment là. Voilà, Expelliarmus. Expelliarmus, non, Expelliarmus. Donc, je vais essayer de faire celle-ci et de mettre des choses féeriques un peu pour rendre l'affaire encore un petit peu de magie dans ce monde de brut. Alors là, j'ai fait avec ma petite technique, là, de mes petits vieux livres que j'ai récupéré dans... Quand on était gamine avec mes frangines, il y avait toute une gamme de bibliothèques vertes. Vu que ça intéresse nullement mon fils, moi je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire. Allez, utilisons-les une deuxième live. Ces petits bouquins qui s'abîmaient là. Donc je me suis dit, allez, pour l'art journal, c'est sympa. Donc avec du scotch, hein, tout bonnement, et ben, je fais des washi maison. Je trouve que c'est sympa. Enfin, moi, ça me va comme petite astuce. Alors, on va rendre cette petite bête un peu plus féerique. Voilà. Alors. J'ai des chats qui miaulent. Bah, c'est normal, c'est la maison des chats. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le rendre féerique?
Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est toi, Cathy? Ah oui. Tiens, tu viens là, ton pralin, viens, viens, ma douce. Viens. Non, tu veux pas. Ouf. Quand ils ont pas envie d'un truc, j'ai envie de dire. Magique for you. Ah, tiens, on va mettre ça aussi. Ce que je vais le mettre là. Alors ça, c'est des petits blocs aussi de chez Action, hein. Des sticker books. C'est des tout petits blocs, mais il y a des choses qui sont vraiment très très jolies, quoi. J'adore ces petits blocs, ces petits stickers là. J'en raffole. Là. Celui-ci aussi, il est joli là, ça, ce truc là. Regardez ça là. C'est vraiment très très joli. Franchement, j'adore quoi. Alors, bon, on va essayer de mettre des choses autour de cet animal. Alors. On va commencer à mettre un petit peu des petits stickers fleurettes. Petites fleurettes déjà. Dans ses branches, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, pas du tout, c'est mon homme. Marvalou, Marvalou. Voilà, bon, petite pause syndicale. J'ai mon homme qui m'a appelé. Et ensuite, j'ai donné à manger à mes bestioles errantes. Enfin, errantes. Mes bestioles extérieures. Donc, il y en a trois qui sont venues manger. Et monsieur Dédé Lambrouille qui est en mode. Qui fait la tenaille. Il est en poste avancé là-haut. Il, je sais pas, il descend pas. Il descend. En haut d'un talus, dans des buissons des voisins là. Et je sais pas ce qu'il fait. Il est en tenaille. Bon, enfin bon, il y a monsieur Dédé Lambrouille. Donc il y en avait quatre. Moralité, il y en avait quatre. Et je me suis fait un deuxième cappuccino. Oui. Parce que je le vois bien. Pas bon pour ma taille, mais bon, mon tour de taille, pas ma taille. Mais bon, on ne se fait pas. Donc, j'ai collé quand même quelques trucs pendant que j'étais au téléphone. Voilà, donc j'ai fait ce genre déjà de petits décors. J'ai mis un arc-en-ciel, bien sûr. Voilà, je ne me refais pas. Donc, j'ai mis pas mal de petits stickers déjà pour rendre l'affaire un peu plus féerique. Mais je me suis dit, ça ne suffit pas. Bah non. Mettons un petit peu de douceur dans ce monde de brut et mettons un petit peu de dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys, ils font des caca caramel et là, là, là. Voilà, donc je vais prendre. Alors je me demande si je prends. Je peux mettre une licorne parce que la bestiole en elle-même. On va pas faire de l'ombre à cette pauvre bête. Alors. Qu'est-ce que je vais choisir? Quoi qu'est-ce? Quoi qu'est-ce? Quoi qu'est-ce? Quoi qu'est-ce? J'ai envie de mettre ça là, parce qu'il est très joli ce petit nuage avec des petites pampilles là. Ça fait très très joli. Attendez, je vous montre. Regardez. Il est trop mignon ce petit nuage quoi. Je vais le mettre là, au-dessus de mon arc-en-ciel. Là, au-dessus de mon arc-en-ciel qui est là. Voilà, je vais mettre mon petit nuage. Et puis, j'ai envie de mettre ce château là. Faire un peu Poudlard. Ça ressemble pas à Poudlard. Hein. C'est un château de la fée qui a des bosses ou de la princesse qui pue des fesses. On se demande ce que c'est. Enfin, bon, voilà. Mais j'ai envie de le mettre ce château. Fait Eric. Pas trop là parce que je veux faire mon petit cadre. Je sais pas où je le mets. Est-ce que je le mets là? Ah voilà, c'est Dédé Lambrouille. Lulu, oui. Spooky est de retour. Dit Dédé Lambrouille. Alors, est-ce que je mets le château ici? Où je le mets là? Je sais pas.
Je vais le mettre ici, ce château. Allez, hop. Un château de Poudlard. Qui va avec mon monde féerique, magique. Voilà. Donc, ce petit château, je pense qu'il c'est pas mal. Alors ça, ça m'énerve, ce truc-là. J'arrive pas à remettre dedans, ça m'énerve. Ça m'énerve. Restons calmes. Bah, ça me détend pas, ce genre de papier-là. Moi, c'est pas fait pour moi, ce truc-là. Vraiment, c'est pas fait pour moi. Non, mais... Ah, attendez, je vais le mettre là. Regardez, ça va bien, là, comme ça. Bah oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Il y a un papillon qui est sympa, là. Avec un arc-en-ciel encore. Bah, celui-ci, il est vraiment sympa. Mais je trouve un peu trop grand. Donc j'ai envie de lui rétrécir un peu la tête, Alouette. J'essaie de... Ah, je coupe pas ça à la perfection. Ce n'est pas ce que je veux faire. Mais c'est enlever un petit peu de ces contours un peu carrés là. C'est un peu trop carré. Voilà. Je vais coller là-dessus. Hein. Pas trop chaud. Et je vais mettre ce petit papillon là qui est vraiment très joli. Vraiment très 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 joli. Je sais pas où je mets. Voilà, ici. Voilà, il fallait un arc-en-ciel de plus. Ah oui, hein, si... si ma chaîne s'appelle Arc-en-ciel, hein, c'est pas pour rien, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme grosse fleur? Je vais mettre une grosse fleur. Alors, j'ai celle-ci. Ah, j'ai celle-là, là. Elle était énorme, Nazar. Mais là, je ne pourrai pas tenir sur ma page. Ça sera pour une autre truc. Ça ne tiendra pas. Alors, je crois que je vais mettre celle-ci. Celle-ci, c'est la plus grosse que j'ai. Alors. Je vais mettre cette fleur et ce que je veux faire, c'est d'en couper un petit bout comme ça. Je coupe un petit bout comme ça, la moitié, et je fais, ça s'appelle du pixel art, je sais plus comment, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, je fais des petits, tout petits bouts découpés pour, comme si ça, ça partait au vent, en fait, donc faire un effet... qui s'envole au vent, en fait, la fleur qui, les petits morceaux qui partent au vent, c'est le but. Alors, j'ai vu ça sur une chaîne américaine au state. Hein. Je pars des fois faire des petits voyages au state, faire des petits cours de d'art collage, d'art journal, d'art et j'apprends plein de choses comme ça. Et je pique des idées. Hein. Ah oui, de toute façon, mes idées tombent pas du ciel. Hein. On s'inspire hein, de choses qu'on voit. Et... Bon, je fais pas vraiment comme elle, parce qu'elle, c'était vraiment très, très joli. Hein. C'était quelque chose de magnifique, ma chérie. Mais moi, c'est vraiment une pâle copie. Et j'essaye de faire un petit peu de ce que j'ai vu. Je trouve que ça fait très très joli. Moi. Enfin, je trouve que c'est super comme idée. Quoi. J'adore de trouver des idées comme ça. Regardez, ça fait cet effet là. Comme si un petit peu ça partait au vent. Ça donne un air poétique à l'affaire, à la chose. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux mettre encore de... D'Harry Potter, Monsieur Potter. Qu'est-ce que je peux mettre qui fasse tout, 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 tout.
n'y a pas de... Voilà, c'est la carte du maraudeur. Je pourrais essayer de la mettre là. Oh non, la maison d'Hagrid là, tiens. Parce que c'est lui qui s'occupe des animaux fantastiques. Enfin, des animaux. La petite maison d'Hagrid. Petite maison féerique là. Allez. Avec à côté de Poudlard. À mettre la maison d'Hagrid. Est-ce que je mets le... Est-ce que je mets la grille là? Peut-être. Allez, oui, je vais le mettre. Regardez, il y a un sticker de Hagrid. Je vais mettre ce... Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Alors, c'est tout, hein. Je crois que c'est tout ce que je vais mettre. Ah, j'avais aussi ça que je voulais mettre aussi. Je peux pas tout mettre, oh là là. C'est le problème avec moi. C'est que je veux tellement en mettre de partout. C'est ça que je voulais mettre. Attendez. Je sais pas. Je vais renverser ma tasse là. Ah bah t'aurais été bien la gamine. Alors ça, c'est des stickers. À la base pour mettre sur les vitres du Windows stickers. C'est coincé. C'est coincé. Je suis coincé. Lulu, je suis coincé. T'es là, mon Lulu? Bon, qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Bon, ben. Ça va? Oui. Aujourd'hui, il n'avait pas de lycée. Bon, allez, comme ça. Pas plus mal avec ta mère, hein, mon vieux? Avec la madré, la daronne. Avec ta daronne. Ah, d'accord. Ah oui, c'est comme ça. Bon, attendez. Oui, mais c'est pas. Oui, mais non. Ah! Non, ça va pas. Bah si, je vais le coller, hein. Bon, c'est une plume. Mais bon, comme c'est pour les vitres, c'est pas stickers, je veux dire. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Hein. Pas la colle qui manque. Bah, s'il manque de la colle, je suis mal, docteur. Je suis mal. Je suis un scrapadite qui manque de la colle. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, j'en mets partout. Voilà. J'avais découpé plein de choses. Donc celle-ci que je voudrais faire après là. Cette bonne femme. En mode relax. Après voilà, s'être lavé les cheveux. Je voulais la faire cette bonne femme. J'avais ce visage aussi que je voulais la rendre un peu féerique aussi. Cette bouille là. J'ai aussi cette bonne femme que j'ai découpée là, qui est aussi, qui est pas mal. Qu'est-ce que j'ai découpé comme visage autrement? Bah, d'autres. Alors, qu'est-ce que j'ai coupé comme petit mot? L'histoire continue. Tiens, pourquoi pas? Dentelle, non. Pépite, non. Mignon. Bon. Le mot mignon. Accorder du temps. Rêver. Je vais mettre le mot rêver. Histoire continue. Bah, c'est pas mal. Ah, j'ai quelque chose là-dessous. C'est quoi? Balade. Le mot balade. Balade magique. Balade magique. Puis c'est tout, hein. Et puis une citation. Une citation que je vais trouver, je sais pas où.
J'aurais plus qu'à mettre une citation et cette page, ben, je vais l'arrêter là parce que plus j'en mets, plus je vais en mettre. Et après, on ne voit plus rien, ça devient moche et belle. Il faut savoir s'arrêter s'il y a un problème avec moi. Ma, je ne sais pas m'arrêter, ma, je crée, je ne sais plus m'arrêter, Maristro. Ma, il mon génie qui. Non, c'est bon. Un peu de modestie, s'il vous plaît. Allez, hop, j'arrête. J'arrête. Touche plus. Allez, on touche plus à rien. Je vais faire un petit contour quand même avec un crayon, manière de dire. Oh, c'est bientôt 18 h. J'ai pas bu mon cappuccino et cette nuit, je vais tourner dans tous les sens. Bon, ça m'empêche pas de dormir. Enfin, je touche du bois. Touche du bois. Je lèche, excuse-moi. La gourmande. J'en perds pas une heure. Elle est encore bouillante. C'est bien de chaud, ces tasses-là. Chez Action, elle aime bien la chaleur. Allez, je vais trouver si j'ai une citation là-dedans. Puis tout sera. Je vais, non, je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Alors, attendez. J'avais trouvé à la base. Je ne sais pas si tu l'as retrouvé dans mon souk là. Je ne vais pas retrouver. Qu'est-ce que t'en as fait, ma vieille? Attendez. Non, ça c'est une citation sur les bestioles. Les chats, les chiens. Ça n'a rien à voir. J'avais un truc de citation à la base. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors ça c'est. Et dans mon chibidi, allez là, c'est là, je l'ai, là. Alors c'est sur l'âge, ça n'a rien à voir, pratiquement. Alors qu'est-ce que j'ai? Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. Aux âmes bien-aimées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Impossible de dire mon âge, il change tout le temps. Ça, c'est marrant, ça. Tiens, bah, ça me caractérise bien parce que moi, des fois, j'ai 5 ans et demi et des fois, j'ai 90 ans quand je suis pas bien, physiquement parlant. Ça, je vais mettre ça, tiens. L'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir outre son âge tous les âges. Victor Hugo. Non, je vais mettre celle-ci. Allez, impossible de dire mon âge, il change tout le temps. Tiens, ça me caractérise bien. Hop là. C'est comme dans Louis de Funès. C'est dans quel truc de film qui disait, vous avez quel âge? Alors, il répondait mardi. Non mais vous, ah c'est dans le gendarme de Saint-Tropez, alors je sais plus lequel c'est. Vous avez quel âge? Ben, mardi. Mais vous venez de moi. Mais non, vous avez quel âge? Ben, même que vous, je sais plus comment il disait. Enfin, à chaque fois il disait pas son âge. Ça me faisait rire. Enfin bon. Allez, je m'éparpille. Revenons-en, nous moutons. Bon, je vais mettre cette citation. Voilà. Allez hop, on arrête pour cette page. Je mettrai cette citation là. Faire un petit tour au crayon autour pour encadrer un peu la chose. Et puis voilà, regardez ce que ça donne. Un truc magique. Un animal fantastique. Enfin, magique. Je trouve que c'est joli. Il fait vrai sombre. Hein. On ne voyait plus rien parce que. Et d'un seul coup, le temps s'est couvert. Alors, j'ai fait mes vitres. Alors, moi, je suis un vrai baromètre. Donc, on va voir, comme dit, si tout à coup, là, tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je m'étais reposé un peu, un petit break. Après le repas, un petit break, un petit moment. Et je pense que quand je me suis remis mes trucs. Je suis levée, je me suis dit, il faut que je fasse mes vitres. Et comme dit Luc, on va voir si la malédiction
va se produire. Alors demain, s'il pleut dans mon secteur, c'est que voilà, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. J'ai fait pleuvoir. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, mais il pleut sur mes vitres. Hein. Donc là, elles sont clean. Ouais, ça fait magnifique, ma chérie. Ça magnifique. Mais bon, j'espère que demain, il ne va pas pleuvoir. Mais bon, bien souvent, comme dit Luc, la malédiction se produit. Alors là, vous n'avez pas trop vu de chat. J'espère que ça va faire plaisir à... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Rosalie, Rosalie. Oh, Rosalie, Rosalie. Ah, comment elle s'appelle? Je cherchais un crayon. Je n'en ai pas sous la patte. Alors, pourquoi que je n'ai pas de chat? Parce qu'ils dorment tous. Ils ont tous fait leur popo, leur pipi, ils ont mangé, ils ont la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Et tout le monde dort. De sommeil du juste. Donc j'ai Tartine qui est là en dessous quand même, hein, parce qu'elle ne me quitte jamais. Elle est là sous un autre tabouret. Elle est vers moi, ma brodine. Mais voilà, donc vous ne la verrez pas. Donc ça va faire plaisir à Rosalie, Rosalie. Oh, Rosalie, Rosalie. Ah. Donc voilà. Aujourd'hui, personne ne voit mes chats. Ni vu ni connu. Eh oui, ils sont cachés. Ils sont cependant jolis, mes minets. Ils sont jolis, ils sont gentils surtout. Enfin, à des moments de la journée, ils sont moins gentils, moi je vous le dis. Surtout à 3h du matin quand ils me réveillent. Je les trouve moins gentils à 3h du matin. Parce que Monsieur Ron a une phobie. Il a peur du noir. Et à 3h du matin précise, il faut que je l'emmène faire son petit pissou nounet la nuit. Non mais c'est une psychose, ce chat est, a des psychoses. Et il n'y a que lui qui me fait ça, Dieu merci. Mais voilà, il me réveille à 3h du matin précise pour que je l'emmène faire son petit pissou dans sa litière. C'est pas mignon. Mais à 3h du matin, j'y trouve beaucoup moins mignon. Bon, bah c'est comme ça, hein. La vie est ainsi faite. C'est ton destin. Ah, regardez, j'ai fait un petit tour. Allez, comme ça fait jeu. Oh, c'est trop beau. Comment ça me plaît. Alors, je vais mettre ça qui n'a rien à voir avec l'image ou le truc. C'est une citation qui me botte. Hein. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Ça ne va pas avec. Impossible de vous dire mon âge. Il change tout. Alphonse Allais, pour ne pas le nommer. Il change tout le temps. Je mets des points d'exclamation. Si ça, c'est... Allez, voilà, ça c'est fait. Envoyez, c'est pesé. Ouais, ça roule. Je suis contente. Oh là là. Oh, c'est contente. Je suis magnifique. Je suis contente. J'ai fait une petite page. Ça me détend. Voilà, donc. Demain matin, pharmacie. Parce que, bon, chez moi, j'ai un nouveau traitement. Il faut que j'aille chercher mon renouvellement de traitement normal. Et ces nouveaux traitements qu'elle m'a donné là. Et j'ai cherché pour mon fils. Donc lui, maintenant, il a ses médicaments aussi à prendre. J'espère que ça ne sera pas à vie. C'est énervant. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, donc voilà pour cette page. Et là, je vais faire celle-ci maintenant. Peut-être pas avec vous parce que je sais pas. J'ai envie de faire ma bonne femme là. Ma bonne femme zen, là. Zen attitude. Cool. Cool, Raoul. Regardez comme elle est belle, ma bonne femme. Ouais, je vais mettre ce bonne femme, là. Alors, il faudra que je retrouve les têtes de bonne femme. Parce que j'en ai pris deux, trois, là, mais...
Je voudrais des plus grosses têtes comme j'ai fait ma fée là. Faut que je vois un magazine qui me botte, qui me plaise déjà, que je le lise. Et ensuite que je le massacre, enfin massacre. Que je lui donne une seconde chance, life, oui, comme on veut. Alors, je vais me mettre comme ça, ma bonne femme, là. Je vais en faire un petit peu avec vous, puis je ne serai pas jusqu'au bout. Vous irez voir après où je poste mes trucs. Autrement, vous verrez que dans une prochaine vidéo, je montrerai mes créas. Allez, hop. La petite bonne femme. Hop. Autrement, vous pouvez aller voir sur Cultura Créas. Et mon pseudo est Kimi et je pote mes créations à peu près tous les soirs. Voilà. Vous pourrez aller voir là-dessus. Pour regarder en détail plus... Voilà. Puis vous inspirer ou vous dire, bah, c'est vachement moche qu'elle fait cette... Elle est broline jusqu'à la moelle. Hein. Ne prêtez pas attention à ses propos. Elle est broline jusqu'à la moelle. Alors, j'ai envie de mettre quoi avec cette bonne femme zen? Elle m'énerve un peu, là. Elle est zen, elle est mince, elle est... m'énerve. Ah, mais si, elle m'énerve. Ah, si. Oh, si. Oh, oh, qu'elle m'énerve. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que je vais lui mettre? Qu'est-ce que je vais lui mettre à cette bonne femme? Allez, attendez. Hop là. Parce que là, elle est trop... Elle est trop gentille, hein. Je vais prendre ça, là. Ah, mais encore tout ça, là, ça m'énerve. C'est l'emballage aussi. Oh là, ça m'énerve. Elles sont zen, là. Hein. Il y a des emballages, vous me direz, mais c'est vrai que je sais pas ce qu'il faudrait trouver comme... Alors, attendez. Je vais lui mettre à cette brave dame, parce qu'elle m'énerve, là. Si, si, elle m'énerve. Si. Je vais lui mettre un gros gâteau, tiens. Hé, hé. Tu veux faire du régime? Regardez, je vais lui mettre un peu de tentation sous le nez, là. Cette broline. Non, mais... Hé, hey, un peu de douceur dans ce monde de brut. Je vais lui mettre un gros gâteau, là, tiens. Ah, tu veux manger? Light. Tiens, je vais te mettre ça sous le nez. Et là, tu veux toujours manger light? Tiens, hop, un gros gâteau. Voilà. Un gros, gros gâteau. Voilà, un bon gros gâteau. Je vais lui mettre quoi à côté? Un petit poussin, non? Un lapin, pourquoi pas un lapin? Cette petite dame. Et la petite lanterne, elle me plaît bien, là. Cette lanterne, j'adore les lanternes. Elle est trop belle, cette lanterne. Cette petite lanterne, ces petits lumignons, là. J'adore ça. Allez, je vais mettre cette lanterne. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Un lapin? Ce matin? Un lapin. Je vais lui mettre un lapin. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de lui mettre un lapin. Il a le droit d'être là, ce pauvre lapin, quoi. Je lui mets un lapin. Pourquoi? Je sais pas. J'ai envie de mettre un lapin. Alors, aïe, ouh, ouh, ouh. Là aussi, j'avais un truc comme ça, là. Un truc gâteau. Non, mais je vais pas lui mettre trop à ce pauvre. L'esprit. Tiens, pourquoi pas, ce mot, l'esprit. Bulle. L'esprit. Bulle d'esprit. Bulle. Bon, pourquoi le mot bulle? Allez, hop, ça. Voilà. Je vais lui mettre des petites fleurs à cette brave dame. Alors. Pourquoi j'ai envie de mettre le mot bulle? Je sais pas. Elle est dans sa bulle, là. Un peu dans sa bulle, c'est pour ça.
ou l'esprit, je sais pas quoi, voilà, elle se gros concentre sur ses chakras, là. Hop là. Ça. Là, dans des petits casques, après je vais arrêter là parce que je change de casquette. Pas que ça ferme. Pas que ça ferme, la gamine. Oh, mais oh. On va devenir un peu sur terre là. I'm so me. Je sais pas ce que ça veut dire. Un petit peu de cappuccino, j'ai bientôt fini ma tasse. Alors, magique, magie, vibre, only. Allez, ça, toujours un peu mettre de magie dans ce monde de brut. Alors, je vais lui mettre un peu de feuillage à cette petite dame là. On va mettre des petites feuillages pour qu'elle reste dans son monde zen. Attitude. Alors là, je vais faire pareil là. Mais est-ce que c'est du transparent ça là? Non. Pareil, je vais faire. Je coupe comme ça en triangle. Ma petite fleur et qui va s'envoler comme ça au gré du vent. Souffle. Bon, on n'y voit déjà plus rien. On va être bientôt dans les ténèbres. J'y vois rien. J'y vois plus rien là. Ah, vraiment, j'y vois plus rien. Il va falloir que je mette du jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Il faut que je mette du jour là. Vraiment, je n'y vois plus rien. Dès que je me trouve une petite lampe là, si j'en ai bien une en haut, mais flemme. Flemme d'aller la chercher, flemme de l'installer. Enfin, flemme quoi, comme dirait mon fils. Voilà. J'ai pas tout ce qu'il faut, mais. La voilà, flemme. Cherchez pas plus loin. Attendez, je vais éclairer parce que là, franchement, je n'y vois. J'ai bientôt arrêté les scrapadites parce qu'il va falloir que je change de casquette impérativement au plus vite. Je vais mettre un papillon. J'ai besoin d'un petit papillon chez soi. Bon, on verra bien si j'ai fait mes vitres demain, si la malédiction de tout en vide, comme je l'appelle, va se mettre en route. Espérons que non, parce que j'ai pas envie de refaire mes vitres. Je l'ai fait pour le week-end, là. Oh, pas non plus les coulis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans le mouton, on s'en fiche de mes vitres, hein. Bah non, moi je m'en fiche pas, zut, alors j'ai pas envie de les refaire. Ah, ça vous fait rire, je le sens. Hein. Tiens, Broline, tu referas tes vitres. Non, mais. C'est vraiment trop injuste. Attendez, je vais lui mettre des petites fleurs sur la tête, là. Cette pauvre gamine. Voilà. Petite fleurette. Une autre petite fleur, là. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme mot que je pourrais
coller avec la situation, si on peut dire. Je crois que non. Là. Ah, j'aime encore laisser ce collant-là. Qu'est-ce que j'aime pas, ce truc collant-là? Je ne sais pas ce que ça me fait. Ah, je suis pénible, hein? Je râle. Mais la broline, hein? Bébé. Psychose de papier collant, hein? Ah, tiens, vous avez raison. Attendez, il faut que je récupère ça, là. Il y a un joli petit... Attendez. Mais non. Coupe pas tout, toi. Jette pas tout, ma vieille. Aïe. Je vais lui mettre ça, tiens, d'ailleurs. Aïe. Attendez. Je sais pas. Attendez, je jette ça, ça m'énerve. Regardez. Je sais pas. Oh, j'ai encore ça à mettre. Oh là là. T'arrêtes de faire du bruit là, puis vous embête. La vieille. Allez, ah ben il y en avait un là. Bon, bah attendez, je vais prendre celui qui est en stickers. Ah bah oui. Ah bah oui. Je vais lui mettre celui-ci là, cet appareil là, gramophone. Il y en a un chez mes parents, mais j'ai toujours eu peur de cet appareil. Et il marche encore super bien. Ma maman avait plein de vieux disques, plein de... Il y en avait un autre qui est encore plus vieux. C'est en forme de cône. Et ceci me faisait très peur. Quand j'étais gamine, j'allais au grenier. Et j'avais une frousse de cet appareil, je ne sais pas pourquoi. J'en avais une frousse. Je vais lui mettre de la musique, parce qu'elle écoute... Elle se détend, donc il faut de la musique, hein, la dame. Petite note là. Alors on va lui mettre de la musique. Elle est dans son monde. La musique zen. Qu'est-ce que je peux lui mettre à cette broline? Cette andouille. Une andouille. Alors je vais lui mettre une montre. Pourquoi? J'ai envie de mettre une montre. Ah non! Attendez, encore mieux. Ouh là là, bougez pas. Bougez pas. Un petit sablier, j'adore ça. Ma maman avait beaucoup de sabliers, elle faisait la collection des sabliers. Je vais mettre un sablier. Tiens, une petite touche, maman, si tu passes par ici. Ma petite mère. Je sais pas si... Je vais lui mettre la montre quand même. Elle me plaît, cette montre, je sais pas pourquoi. Allez, hop. Ma petite mère, si tu passes par là. Petite pensée pour toi, maman. Je pense qu'elle m'entend. Hein. Il me prête au monde d'y croire. Prête au monde d'y croire. Okay. Ça ne fait pas. Hein. J'espère qu'elle est là. Elle me donne peut-être un coup de pied aux fesses. Des fois, j'ai mal au dos. Des fois... elle me donne des coups de pied aux fesses. C'est pas possible. Accorder du temps, tiens. Les fleurs, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quoi ce mot? Surprise. Bulle, surprise, bulle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, docteur. J'y mets trop ça. Allez, là-dedans. Accorder du temps. Tiens. Je vais mettre ça. S'accorder du temps. Il faut savoir s'accorder un petit peu de temps, comme faire de l'art collage, de scrapbooking, de la peinture, de je ne sais quoi. Du macramé, de la couture, de la... Qu'est-ce que c'est que ce truc, Luc? Ils font quoi, là, les deux moldus? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font quoi, les deux moldus? C'est un mec qui se fout sur l'atelier. Ah! Bon, bah... C'est pas mal. Donc, voilà, j'en suis là. C'est tout ce que je vais mettre, je pense. Un petit truc de féerique. Qu'est-ce que je peux lui mettre de magique à cette petite dame? Qu'est-ce que je peux lui... Une beuglante? Non. Non. Ridiculous? Oh bah non. Je ne mets pas ridiculous quand même.
Alors, je vais pas lui mettre ridiculus. Une chaussette, bah non. Espédamus, non. Qu'est-ce que j'ai comme autre formule magique? C'est tout ce que j'ai? Bah, c'est tout ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est. Non. Bon. Qu'est-ce qu'ils font là encore, Lulu? J'en sais rien, encore j'ai pas vu. Mais c'est pas possible, ces chats, mais je C'est vais. la praline. C'est la praline en plus! Elle me trahit! Madou, c'est toi qui fais ça? Non, mais. Alors là, j'ai envie de dire, on passe un cap, Pralina. C'est toi, tu t'y mets aussi, la mère. Mais non, il est là, le Ron. C'est le rusard, là-haut, Lulu. C'est horrible, c'est C'est bizarre. le Ron, il descend. Mais oh, t'accuses, mon gros pépère, mon nénette, mon C'est nounounou. pas Bon, ça y est, je des... pète un câble. Moudi, il est mignon. Il est moins mignon à 3 h du matin, je vous assure, il est moins mignon. Il est moins mignon. Qu'est-ce qu'ils font, ces brodins? Bon, bah, je trouve rien qui me botte. Tu peux me mettre là-dedans. Allez, hop, ça, on passe. Alors, rien de botte, c'est pas la peine d'insister. Bah, je crois que je vais rester comme ça. Et puis, on va rester là, parce qu'il faut que je change de casquette absolument, là. Allez, finis ta tasse de cappuccino. Attendez, je vais voir ce que font ces chats. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah ça commence. Je disais, ils sont calmes. Alors non, ça y est. Nous avons passé le cap de la tranquillité. Qu'est-ce que font ces chats? Mille sabords de mille sabords. Partout Patix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Groupir. Groupir. On se calme. Merci. Pour une fois, c'est pas toi, mon gros matou, viens. Viens, gros pépère. Ben, non, je ne veux pas se laisser prendre. Ben. On l'embrouille. Bon, ben, je ne peux pas vous le montrer. Il est monté sur. Et là-haut. Ah. Ron. Allô? Et là, pour favor. Viens voir. Mais tu balances folle, espèce de crétine. Qu'as-tu que fait? Mais. J'ai envie de te dire. Allez, attendez, descendez. Poussez-vous. 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 Alors, tout à l'heure, j'ai eu une crise ménageuse. En plus de avoir fait mes vitres. J'avais fait tout mon ménage le matin, le ménage courant, quotidien. Mais j'ai fait mes vitres. Et en plus, je sais pas, Tartine avait fait tomber un truc sous le frigo. Et je dis, bah tiens, il faut vite que je regarde ce qu'il y a dessous. My God, j'ai envie de dire. Elle avait des Legos, des Playmobil de lui qu'elle avait été piquée dans sa chambre. Il y en avait, mais une flopée sous le frigo, c'est impressionnant. Impressionnant. J'étais là, non mais. Alors, bon, le frigo est nickel en dessous. Ah, bah, j'ai envie de vous dire, vous. J'ai envie de dire, je m'éparpille, vous n'en avez rien à, comment dirais-je, à faire. Et oui, je comprends. Mais bon. Ron, tu vas pas lécher mon pain? Il est en train de lécher le pain. Ouh là là là, ça va pas le faire ça. Là là, on passe un cap là. Et là-haut? Non mais, oui, c'est pas la peine de me regarder avec ses yeux de chouette, hein. Non mais, dites donc. Non mais, dites donc. Non mais, dites. Ah ben ça suffit avec les chats. Ah ben non, ben ça suffit. S'ils passent brodine et grognasse en même temps, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces chats encore, cette brodine? Bon, Ron, ça suffit. Merci. J'ai envie de te dire. Calme. Viens, ma maman, là, viens. Viens, là, mon grand matou. Je peux te mal élever. Je peux te mal élever. Je peux te mal élever. Regardez ça. Regardez ça, ces petites choses ronronnantes. Bon. Oh, quand il ne veut pas se laisser toucher, espèce d'andouille. Hop là. Non, il ne veut pas se montrer. Vous verrez que le croupion. Oui, il ne veut pas. Non, 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 monsieur ne veut pas, mi amor. Ma que tu fais? L'humeur en folle, mon trésor. Une espèce de roudoudou. Ma que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais?
Alors, je ne sais pas s'il va faire, parce que des fois, mais, tu fais? Non, tu veux pas. Bon, il ne veut pas faire son show. Bon, vous verrez que son croupion aujourd'hui. Il ne veut pas montrer sa frimouche, je crois pas. Tiens, montre-toi. Coucou, je suis là. Non, il ne veut pas se montrer. Non. Monsieur n'a pas envie. Tu t'enduis. Si tu n'en. Oh là 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 là. Et qu'est-ce que je vais en faire? Allez hop, là, mets-toi là. Nom de Zouf. Alors, bah viens. T'es énervé, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben viens, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ça suffit avec les chats, on en a marre. Mais qu'est-ce que ça suffit avec les chats, on en a marre. Oh, oh là là. Regardez ça, ces petites choses ronronnantes, roussounantes. Maï, j'ai envie de le rouler dans du papier, de lécher comme un calembar. Ma, ça va me gratter le gosier, je vais me faire une boule de poils après. Bon, tu t'arrêtes de t'éparpiller avec tes chats, là? Oui, mais il est tellement loudoudou. Il est tellement roudoudou qu'il est trop mignon. Il me rend folle. Mia mort. Oui, ma. Regardez ça. Regardez ça. Oh là là. Il n'est pas mignon, mignon. Mais c'est pas trop mignon. Allez, encore un rouquin, encore un Weasley. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon, allez, j'en suis là. Je m'éparpille avec mes chats. Ah, s'il passe ce grognasse, elle va venir, là, cette fois, je suis en PLS avec tous ces chats, j'en peux plus. Elle m'énerve avec ses matous. La brodine. Regardez, c'est mignon, non? Vas-y, c'est mignon. Ah, je ne vais pas en mettre plus sur cette page. Vous croyez que j'en mets encore? Oh. Allez, plus qu'un sticker, c'est j'arrête. C'est promis. Promis, vilaine. Non, mais. Vilaine, arrête de toucher à ces stickers. Non. Tu dois pas. C'est que t'es puni. T'es puni, t'es tombé dedans. J'ai pas mis d'arc-en-ciel. My God. What? Tu n'as pas mis d'arc-en-ciel et de papillon? Si, t'en as mis un, mais pas un aussi gros papillon. Regardez. Ah, je vais enlever ce tour-là. Alors, les autres font trop carré, ceux-ci font trop rond. Il n'y a jamais rien qui va, mais elle n'est pas contente. Qu'est-ce qui lui arrive à cette. Brodine, elle est pénible, elle nous embête. Avec son collage. Allez, je mets un autre papillon. Vas-y, en fallait un. Tiens, Ron. T'as vu? Regarde. Ron. Ouh là, c'est beau. Ouh, c'est beau. Là, 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 là. Ça va coller à la papa, il va s'énerver après. Je te donne pas mon matou, tu vas t'énerver encore, mi amor. Tu vas t'énerver, mon loutou. Ah, je vais lui mettre un arc-en-ciel à cette. Ah, j'en décolle trop. Allez, je lui mets un arc-en-ciel parce qu'il le faut. Il le faut. Il fait trop carré aussi. Allez, je lui. Qu'est-ce que tu fais, mi amor? Ah bah tu veux youer, tu veux qu'on you, tu veux qu'on you, tu veux qu'on you. Attends, ah, ah là là, ah là là, aïe. Non mais c'est pas le moment, non mais c'est pas le moment. Yaman, mais qu'est-ce que tu fais? Ah tu veux ça, vas-y. Tiens, je te le donne, tiens, regarde donc, attends. Je vais te piquer le nez avec ça, la truffe. Tiens, cadeau offert par la maison, il est là, regarde. Là. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau, mais c'est magnifique. Mais que tu me donnes un truc, là. Ma petite, t'es trop beau. Tu vas pas le manger quand même. Oh, crétine. Bon, Balou, on voit que toi, là. Alors, demain, c'est le spectacle de mon Lulu. C'est le Lulu Show à son lycée. Le spectacle de Lulu Show. Enfin, il n'y a pas que lui, hein. Mais je vais assister au spectacle de Lulu Show. Alors j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Ah non, attendez, j'avais dit que je mettais le gros là. Ah mais ça va jamais tenir. Ah Brodine. Brodine. Ça va jamais tenir, attendez. On va essayer. Ah ça se coupe où? Je vois pas. Bah, attendez, regardez celui-ci là, il est trop beau là. Ah. Ça va pas
Mais non, tu vas te faire tenir où ce truc? Tiens pas! Oh, ça tient pas! Ah, mais je suis coincée maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Ah, my god! What? Ah, j'ai envie de décoller! Ben voilà, la brodine, voilà, ça y est, ça commence. Ça commence. Il était où? Ah, là voilà. Attendez. Attendez, je sais pas. Ah! Allez, j'en mets là, touche pas. C'est ton gros. Qu'est-ce que tu peux mettre? Pourquoi tu t'arrêtes pas là? Mais non, ça suffit pas. Je vais mettre encore une fleur ou quelque chose. Ah, je vais mettre ça. Une colombe. De la paix. Peace and love. Ah, mais c'est une lettre. Oh, bah non, je vais pas mettre ça. Mais non. Ah, elle est là, la colombe. Je remets encore un arc-en-ciel. Oh, Ah, allez, un arc-en-ciel et papillon. Allez, on s'en fait pas, voilà. Allez, j'arrête là. Mon dernier sticker, j'avais dit. Tu l'as dit. Tu arrêtes avec tes stickers? Mais c'est fini, oui. J'ai envie de mettre encore un arc-en-ciel. Non, tu vas pas faire ça. Alors là, tu vas pas faire ça. Oh, mais non, tu vas pas faire ça. Et tu vas pas faire ça. T'avais dit qu'un. Oui, je sais, j'ai menti. Excuse-moi. J'ai menti. Allez, je vais leur mettre un arc-en-ciel à cette pauvre femme. Elle en a pas assez, mais non. Il en faut plus. Toujours plus, toujours plus. Là, un arc-en-ciel. Et là, il m'en faut encore un. Mais celui-ci, il est trop rond. Oh. Allez, hop. Je les coupe un peu. Le rendre un peu moins carré ou rond. Ah. Voilà. Arrête de couiner là. Brodine. Toi là. Mais arrêtez, je suis coincée, c'est collé. Bon, c'est bon, j'arrête. On touche plus. Attention, si tu touches, t'as pas mis de citation. Ah, encore. Et tu vas pas t'arrêter, oui. Oui, j'ai un crayon là, il est là. Alors, attendez que je vous montre. Allez, j'arrête après. Les moustaches? Non. Non, c'est que j'ai autre chose à faire, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, regardez, elle est pas mal ma petite bonne femme zen. Hein. Bon, allez, je l'arrête. Ma brodine. Allez. Qu'est-ce que je vais trouver comme citation? Qui va avec donc peut-être pas qui va avec avec. La gratitude est l'ingrédient par excellence qui donne à notre vie une saveur de plénitude. Bah pourquoi pas? Mais elle est trop grande cette citation. Tu vas la mettre où? Ah! Retranscription des beautés de la nature. Peut-être pas non plus. Hein? Et celle-ci de citation, c'est quoi? Qui éveille la vie chez les autres contribue à donner des sens à la vie. Pourquoi pas? Allez hop, soyons fous. Allez, je crois pas que j'en ai d'autres. C'est dans le livre Passion Scrapbooking. Je me suis rendu compte en fait que dans tous mes vieux livres, et même ceux de maintenant, il y a plein de petites citations. Et j'avais pas fait gaffe avant que je me mette à faire de l'arcollage. J'en ai une autre là. Attendez, j'en ai deux autres. Non, ça c'est ma part. L'amour naît par la tendresse et s'entretient par la douceur. Ah, bah c'est bien ça. Ah, bah oui. Allez, ça c'est mieux. Allez, hop, j'arrête. Une citation, je suis contente. Tu coupes tout là. Allez, hop, j'arrête parce qu'il faut que je change de casquette à peur. Impérativement là. Là, il n'y a pas à tortiller. Hein? Pour droit, hein, vous savez.
Ah, c'est pas possible, j'arrive pas à fermer ma pochette. Lulu, j'arrive plus. J'ai des problèmes dans ma plantation. Qu'est-ce qui se passe? Allez, j'y laisse là que je verrai peut-être. Mais ce soir, on est couché comme des poules. Et demain, encore une journée supplémentaire. Et demain, il y a le Lucky Show. Waouh! Lulu, j'ai hâte, mon chéri, de voir le Lucky Show. Enfin, de tes copains aussi, hein. Ah. J'ai hâte. Alors, je sais pas si je ferai une vidéo, mais je crois pas parce que mon Lulu va péter un câble si je fais une vidéo que je la mets sur les... il va péter un câble, là. Je crois qu'il va me bannir. Hein. Je suis plus sa mère après, là, je crois. Ah, Lulu. Donc, faut que je fasse attention parce que je froisse pas mon ado. Parce qu'il y a des, règles. Il y a des règles à respecter. Autrement, je vais être en... Moi, que je sois en pourparler, mais bon, je pense pas que monsieur change d'avis. Pas froisser mon ado. On va pas se le mettre à dos, comme on dit. Allez, hop. Non, parce que quand il était petit, que je fasse des vidéos de son spectacle, mais là, que je pense que devant ses copains, si je me mets à filmer, là, comme... C'est mon fils. Je pense que... Je pense que ça va pas le faire, là. Là, que je me tienne bien, hein. Ah, Lulu, il faudra que je me tienne bien. Oui. Que je dise pas, dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des caramels, ils mangent des caramels. Je sais pas, ça va pas le faire devant tes copains, je pense. Ouais. Bon, même, ah, même, le, même devant la, les professeurs, ils vont me regarder un peu. Ils vont me regarder bizarrement, quoi. Je sens que je vais. On a que je me tienne bien, Luc. Oula. Pas de facile, ça. Je vais peut-être monter sur scène, faire un petit spectacle aussi. Ou... J'espère que les parents, après, ont un spectacle à faire aussi. Non, mais enfin. Zut alors. Moi aussi, je veux faire un spectacle. Non, mais dites. Allez, hop. Hop là, regardez ça. C'est bon, voilà, deux pages. Deux pages. Alors, malheureusement, les stickers d'action. Bon, bah, faudra peut-être que, à la longue, que je revienne mettre de la colle. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas été déçue. Les autres, ils ne sont pas décollés. Mais bon. Voilà, donc j'arrête. Top. On ne touche plus à rien. Je vous laisse là, les scrapadiques, sur un moment de zénitude intégrale. Je suis un peu comme ça. Je vous laisse. Je vais changer de casquette parce qu'autrement, là, on va être en PLS autrement. Et voilà. Donc, je vais poster ça sur Insta, YouTube et surtout sur Culture et Créas. Là, vous pourrez voir. Et mon pseudo est Kimi. Voilà. Ça, vous pourrez voir ça en plus gros plan. Et voilà, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette chaîne, dire que vous en avez marre de ces chats, marre de moi, marre de tout, marre, stop, arrêtez tout. Bon, voilà, je vous laisse là, voilà pour ces deux pages du jour. Chaque jour suffit à sa peine, comme disait ma mère. Je vais ranger ça et je vous laisse. Allez, scrap bisous. Scrapez bien. J'espère que tout roule pour vous. Bah moi, je vais commencer mon nouveau traitement. J'espère que ça va rouler un peu mieux. Et autrement, on se retrouvera pour faire, bah, je sais pas quoi. Une autre page, un autre moment de je sais pas quoi. Ah oui, j'ai trouvé aussi des histoires à dormir debout dans les Danettes pour pas les nommer. Alors, celle-ci me plaisait bien aussi. Tout ce qu'un caneton rencontre 10 minutes après sa naissance devient son parent. Même si c'est
un pote d'Annette. Franchement, ça m'a fait trop rire, quoi. Trop rire. Je l'ai gardé parce que je sais pas si je vais le mettre. Je le mettrai pas. Avec le poussin, là, je pense que. Voilà. Allez, je garde tout. Oui, je sais. No, no comment. No comment. Allez, à tantôt, comme diraient nos amis les Belges. Je vous fais plein de super bisous. Ça fait déjà au moins 3 heures qu'on est ensemble. Et vous en verrez. Allez, moustache. Allez, à bientôt. Crapez bien. À plus.